Bienvenue sur le plateau de KNF, votre quotidienne, et oui, sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite, midi, 18h et 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, voire même au Saintes. Et oui, parce qu'aujourd'hui, direction Terre de Haut, les Saintes, oui, la maison, on retourne chez nous. On va vous parler de livraison, oui, de livraison à domicile. On se pose souvent la question, peut-on se faire livrer dans les îles Guadeloupe, Martinique, Polynésie française, La Réunion? Pour en parler, je reçois Ingrid qui est juste avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Bonjour Staily. Ça va? Ça va bien et toi? Merci d'être sur le plateau, ça va super bien. Merci de m'avoir invité. Ah, c'est un plaisir parce que tu vas répondre à une grande question. Comment se faire livrer chez nous? On a l'impression que c'est impossible. Mais avant, donc tu es entrepreneur. Oui. On dit entrepreneur avec un E. Et tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as toujours aimé l'entrepreneuriat ou est-ce que tu as commencé, tu as eu ton petit boulot comme d'habitude, comme un petit peu tout le monde, et puis finalement à la fin tu t'es dit je veux devenir mon propre patron? Pendant mes études, j'ai voulu devenir entrepreneur. J'ai su que je voudrais devenir entrepreneur un jour. Mais je suis allée travailler, j'ai eu mon petit boulot, comme tout le monde. Ouais. Et après, quelles sont les difficultés de devenir son propre patron, justement? On n'a plus de filet de sécurité, en fait. Donc, tout ce qu'on réussit, c'est grâce à nous. Et tout ce qu'on rate, c'est à cause de nous. D'accord. OK. Donc, vous avez entendu, apparemment, il faut être très, très, très sérieux. C'est-à-dire que si on n'est pas sérieux, on ne peut pas devenir entrepreneur. Oui, c'est clairement. Et comment est-ce qu'on choisit le domaine dans lequel on va évoluer? C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on va parler de livraison, d'achat en ligne. Est-ce que ça a toujours été ton cheval de bataille ou c'est venu comme ça, tu t'es rendu compte qu'il y avait un manque et tu t'es dit pourquoi pas? Non, c'est tout à fait ça. C'est l'idée. J'ai eu l'idée parce que, comme je viens de Terre de Haut, j'ai voulu faire livrer des colis à mon papa et je me suis aperçue que les sites ne livraient pas. J'ai trouvé ça pas juste. Et donc, j'ai creusé et j'ai vu qu'il y avait un business à créer. Alors, petite question, pourquoi les sites ne livrent pas justement ici? Nous sommes français, non? Tout à fait. Alors, ils veulent livrer, il y en a qui livrent. D'accord. Mais ceux qui ne livrent pas, c'est plus une question de services identiques qu'ils ne vont pas pouvoir rendre aux gens de l'outre-mer. OK. Et après, il n'y a pas beaucoup de... Le potentiel est beaucoup moins important dans les outre-mer que s'ils ouvrent un pays comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, etc. Ok. Donc tu es basé où? Tu es basé dans les îles ou tu es basé Basé à Bordeaux. Tu es basé à Bordeaux. Oui. Donc tout se fait de Bordeaux. Tout se fait depuis Bordeaux. Donc comment est-ce que tu gères? Est-ce que c'est facile justement de gérer les livraisons dans les îles en étant en France? Alors oui, parce qu'en fait, déjà, je travaille principalement avec La Poste. Ouais. Et on peut habiter n'importe où en France pour se faire expédier un colis via La Poste. Donc ça, c'est absolument pas un problème. Avant, j'étais à Paris et j'ai déménagé sur Bordeaux. Okay. J'ai déménagé mon entrepôt sur Bordeaux. OK. On salue d'ailleurs toutes les villes du Sud, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et surtout Marseille. On vous aime. Alors, comment ça se passe? Parle-nous. Donc, le concept s'appelle Shop-Île. Pour le shopping dans les îles. Voilà, tout simplement. Il fallait y penser. Alors, comment ça se passe? Dis-nous tout. Eh bien, écoute, en fait, c'est tout simple. Il faut s'inscrire sur notre site, shopil.fr. Ouais. On va créer automatiquement une adresse de livraison. Et cette adresse de livraison, il suffira de l'utiliser sur n'importe quel site e-commerce en indiquant bien son numéro de client pour que nous, on puisse identifier le colis à la réception. Okay. Le colis va être réceptionné sur notre plateforme. Le client va être informé automatiquement depuis son espace client, sur son espace client. Ouais. Et là, il va pouvoir suivre la réception de son colis via le site 1, le site 2, le site 3. Ça veut dire qu'on va sur n'importe quel site internet. On peut aller, ça marche avec tous les sites? À condition que le site livre l'hexagone. OK. Donc, est-ce que tous les sites livrent l'hexagone? Non, pas tous. Aux États-Unis, tous les sites ne livrent pas. En Chine, tous les sites ne livrent pas. Mais il y a quand même déjà beaucoup de sites qui livrent toute l'Europe, dont la France. Donc, tu viens de dire justement un pays où nous, Caribéens, on aime bien acheter, ce sont les États-Unis. Souvent, on a justement des difficultés à se faire livrer. Est-ce que là aussi, donc tu prends par exemple Miami, New York, si on veut, comment ça se passe? Alors, jusqu'à présent et encore aujourd'hui, je n'ai pas de plateforme d'adresse de réexpédition depuis les États-Unis. Mais à partir du mois prochain, j'aurai une plateforme aux États-Unis, j'en aurai une en Angleterre et j'aurai plusieurs plateformes de réexpédition en Europe. Comment tu prends les contacts justement? Comment est-ce que tu places? Ça, c'est un petit conseil qu'on va donner aux jeunes, peut-être qu'ils veulent se lancer. C'est-à-dire que si par exemple on veut faire comme toi et permettre
une livraison des États-Unis à la Caraïbe, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des, je vais dire, des agents sur place et donc il y a un certain lien qui se fait ou tout se fait par Internet par rapport, tu balances ton truc peut-être, je ne sais pas, au site de livraison américain? Comment ça se passe? Non, en fait, avec les plateformes qui sont basées en Europe, ce sont des partenariats qu'on crée avec d'autres plateformes, soit des magasins, soit des partenaires qu'on s'est fait. Okay. Et après, nous, on a notre plateforme en propre ici en France et en Angleterre. Est-ce qu'il faut un coût en plus? Est-ce qu'il faut payer en plus, justement, pour pouvoir se faire livrer dans les îles? Non, pas du tout. Depuis les États-Unis, tu dis? Depuis les États-Unis, depuis la France, comment ça se passe? Alors oui, bien sûr. Donc nous, il faut qu'on gagne notre vie. Ouais. On ne va pas faire ça gratuitement pour vous. Donc il y a un coût logistique pour le stockage, la réception, la préparation du colis. D'accord. Et ensuite, il y a les frais de port à payer. Et comme en tant que professionnel, on a des tarifs qui sont préférentiels, on fait bénéficier de nos clients une partie de ces tarifs. Ok, d'accord. Donc en fait, si on a l'habitude de se faire livrer, on peut avoir des points cadeaux? Alors, ça fait partie des choses qui vont être développées dans les mois à venir. Okay. L'objectif, c'est vraiment de fidéliser la clientèle. Et en fait, là, je suis en train de changer d'investisseur. D'accord. Et avec ces nouveaux investisseurs, je vais avoir beaucoup plus de latitude pour encore mieux m'occuper de mes clients. Alors, est-ce qu'on peut se faire livrer directement à domicile? Est-ce qu'on peut se faire livrer, par exemple, à la pharmacie qui est juste à côté de chez nous? Comment ça se passe là encore? Alors, on n'a pas encore développé des points relais qui sont partout dans la Caraïbe ou dans les Outre-mer. Ouais. Selon le transporteur, on a par exemple Chronopost qui nous propose du point relais. Alors, pour l'instant, voilà, donc, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Donc, quand ça ne fonctionne pas, on ferme le transporteur et on cherche d'autres solutions. Ok. Tu as déjà mis en place une application peut-être? On parlait de suivi du colis. Est-ce qu'on peut suivre grâce à une application Shopil, et pour savoir effectivement, ça y est, votre colis est parti, on est alerté par une notification sur notre portable. Est-ce que ça fonctionne comme Alors, ça? Alors, aujourd'hui, on n'a pas une application Shopil, mais on reçoit la notification par mail et depuis l'espace client. Mais ça fait partie des choses aussi que je veux développer avec les nouveaux investisseurs. Okay. Par contre, j'ai une API, donc c'est aussi une application, mais là, c'est une application qui est destinée aux sites marchands, qu'on va aller connecter sur les sites marchands pour que les sites marchands proposent directement de se faire livrer dans les Outre-mer via Shopil. On n'aura plus besoin de passer sur notre site, de récupérer l'adresse, de la copier, etc. Ça sera beaucoup plus fluide. Et ça, ce sont tous les projets de 2021. Ok. Tu es toute seule à travailler sur ça? Parce qu'on a l'impression que c'est énormément de boulot. Est-ce que tu es seule ou est-ce que tu as une équipe autour de toi? Alors, on était deux jusqu'à début février. Aujourd'hui, je suis toute seule et à partir de dans 10 jours, on sera 8. Oh, ben ça va! Est-ce que justement, parce que les sites de livraison ont explosé durant le confinement il y a un an, est-ce que ça t'a donné un petit coup de pouce, mine de, parce que c'est vrai que les gens ne se déplaçaient pas forcément, donc forcément la livraison a explosé. Est-ce que ça t'a donné un petit coup de pouce? Tout à fait. Le confinement, l'annonce du confinement a tout stoppé. Ouais. Le mois d'avril, on a vraiment eu une grosse perte de chiffre d'affaires. Et puis, depuis le mois de juin, non-stop, notre chiffre d'affaires a presque doublé. Ah ouais? Est-ce que tu penses que la livraison, justement, c'est un petit peu le futur, que finalement les gens se sont rendus compte que c'est deux fois plus facile, pas de perte de temps dans le magasin, pas d'embouteillage, pas de queue à la caisse. Finalement, on reçoit tout chez soi. Est-ce que tu penses que finalement, ça sera le futur 2020, 2021, 2023, tout le monde sera en ligne? Je pense vraiment, oui, que c'est vraiment, tout va se digitaliser. Ça fonctionne déjà beaucoup comme ça en Hexagone. Ouais. Et je vois bien que dans les Outre-mer, c'est complètement en train de suivre le même rythme. On aura toujours des petits magasins à côté, et tant mieux. Ouais. Il faut quand même garder un côté humain. Mais c'est vrai qu'il y a des achats qu'on n'a pas du tout envie de faire en se déplaçant. Et c'est tellement facile de cliquer et de se faire livrer. Donc, je pense, oui, que ça va vraiment continuer à se développer. Justement, qu'est-ce qui est plus facile niveau achat en ligne au lieu de se déplacer? Voilà. Qu'est-ce qui revient le plus quand tu regardes des commandes? Tu te dis, ah, mais ça, décidément, les gens aiment bien compter ça. Les vêtements, c'est quoi les chaussures? C'est principalement vêtements, chaussures, okay. Beaucoup de bijoux, beaucoup de maquillage, beaucoup d'électronique. Puis après, plein de pièces spécifiques. Vous cassez la poignée de votre frigo. Ouais, exact. Vous cherchez la référence sur Internet. Avant, c'était une galère pour trouver quelque chose. Aujourd'hui, en un clic, vous avez la référence et vous avez la livraison du produit. Alors, comme tu l'as si bien dit, effectivement, en Guadeloupe et même à Martinique, on salue même la Guyane, on commence petit à petit à se digitaliser.
Mais ça prend du temps, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu, je ne sais pas si je peux employer le mot peur, mais ça prend du temps. Est-ce que tu peux nous dire l'importance de la digitalisation aujourd'hui? Ah, vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique. Ça nous ouvre beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités. Donc je pense que toutes les entreprises ont intérêt à se digitaliser. On arrive à mieux se connecter à ses clients, à ses partenaires. On peut maintenant travailler avec des gens qui sont dans le monde entier. Donc ça ouvre énormément de possibilités pour les entrepreneurs de la Caraïbe qui veulent faire du business avec pas seulement l'Hexagone, toute l'Europe, les États-Unis, le reste du monde. Donc je pense que c'est vraiment une belle avancée pour l'entrepreneuriat. Forcément, donc à chaque fois on vous le répète, n'oubliez pas, direction le net, tout se passe là. Ouais, et on est dans le futur et on a énormément de choses à offrir au monde. Alors est-ce que justement tu as une belle expérience, ça se voit. Est-ce que pendant ton séjour en Guadeloupe, tu vas partager ton expérience peut-être avec des jeunes entrepreneurs ou pas du tout? Pour l'instant, tu es concentré juste sur ton business, tu n'as pas trop le temps, tu cours à gauche et à droite. En plus, il faut aller au sein, ça c'est le passage. Comment ça va se passer? Non, mais l'objectif, pour moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est de toute façon de partager. Ouais. On apprend énormément en échangeant avec les autres entrepreneurs. Donc je fais du networking, je vais rencontrer d'autres entrepreneurs, j'en ai déjà rencontré. Ouais. Je vais aussi rencontrer des élèves, puisque je fais partie de l'association 100 000 entrepreneurs. Donc, okay. donc je rencontre aussi des élèves. Et c'est super intéressant d'aller partager son expérience et d'aller s'intéresser à l'expérience des autres. Ok, on me l'a présenté comme la reine mère de l'entrepreneuriat. Voilà, mais je m'en bats. Donc, si tu avais des petits conseils justement à donner à nos jeunes entrepreneurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils sont là, ça a explosé. Ouais. Là, les jeunes, là, maintenant, là, ils veulent entreprendre et c'est très bien. Ouais, ils y vont. Quel conseil peux-tu leur donner? Il faut bien s'entourer, il faut se faire confiance, il faut avoir confiance en soi. Mais il faut bien s'entourer et il ne faut pas rester seul parce que l'entrepreneuriat, on est souvent seul. D'où l'intérêt d'aller faire du networking et d'aller échanger avec les autres entrepreneurs. Donc, si on n'a pas d'associé, et même quand on a un associé, c'est bien d'aller partager avec les autres. Et au niveau de l'organisation, parce que comme tu l'as dit, c'est du travail acharné, vous n'avez limite pas de repos. Des petits conseils comme ça pour s'organiser, pour arriver à avoir un planning assez sérieux et s'y tenir surtout? Il faut surtout trouver du temps pour justement récupérer. Ouais. Parce qu'on se laisse vite emmener quand on porte un projet. En général, on est passionné. Moi, au début, je dormais 4 heures par nuit. Ouais. À un moment donné, quand j'ai vu ma tête, je me suis dit, non, mais ça va pas être possible. Donc oui, il faut se trouver, il faut se donner un petit peu de temps de temps en temps. Il ne faut pas culpabiliser de prendre une journée de congé de temps en temps. Même en dehors des week-ends, par exemple. Et en dehors des week-ends, il y a la raison, parce que les entrepreneurs, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne prennent pas de vacances et qu'ils ne dorment pas. Et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils sont à part dans le monde. Mmh. En tout cas, on va donner maintenant tes adresses sur les réseaux, parce que si on veut te suivre, t'envoyer des petits messages pour échanger avec toi, avoir un peu d'expérience ou même se connecter sur Shopil. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram? Est-ce que tu as une adresse mail? Vas-y, donne-le tout. Oui, donc Shopil sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn. Voilà, on nous trouve un peu partout. Il ne faut pas hésiter, à nous contacter. On a un service client qui est devenu hyper performant et on répond vraiment. On dit qu'on répond dans les 24-48 heures, ouais. Mais en réalité, on répond même dans l'heure, en fonction de l'heure de à laquelle vous envoyez le message. Mais bon, on est ouvert de 9 h à 17 h. Wow. Donc, si vous envoyez un message à 9 h heure de Paris, dans la matinée, de toute façon, vous avez une réponse. C'est à l'américaine, ça. Ils te répondent tout de suite. C'est génial. Ça a été c'est le respect du client. Non, mais ça a été beaucoup de travail. C'est, ouais. C'est hyper important. Et on a eu des périodes où on n'était pas bon en service client parce qu'on était dépassé. Et ça, c'est très dur. C'est très dur à encaisser. Et donc, voilà. Donc, ça y est, on y a remédié. Justement, à cause du confinement. Pendant le confinement, ça a explosé. Les demandes ont explosé. Ouais. En tout cas, merci pour ce travail parce que les îles, on était en manque. Et donc, n'oubliez pas, Shopil, merci encore une fois. Profite bien de ton séjour ici en Guadeloupe et surtout à Terre merci. De Haut, les Saintes. Rendez-vous là-bas, rendez-vous au Plein Sucre. Nous, on se retrouve bien entendu au Plein Sucre, et oui, sur la chaîne 23 Éclair TV. Nous, on se retrouve sur ce plateau après une page de pub. À tout de suite.